Alors, je vais me permettre de partager avec vous une histoire. Voilà. Afin que vous puissiez comprendre, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Je l'ai déjà raconté, mais il me semble que c'est juste de la partager à nouveau. C'est l'histoire du puits. Imaginez que vous êtes au fond d'un puits et que vous avez de la boue jusqu'au genou. Jusqu'au genou et au nous. Et comme vous êtes dans le noir absolu, vous n'avez aucune conscience de l'espace et du temps. Et donc, comme le puits est circulaire, vous tendez les mains pour essayer de comprendre où est la sortie. Mais sauf que là, vous tâtez, c'est circulaire, et vous dites, mais il n'y a pas de sortie. Et donc, comme vous êtes dans le noir total, vous commencez à paniquer parce que vous êtes... lorsqu'il y a des dépressions intérieures, c'est pour expliquer les mécanismes, quand il y a un manque de conscience et qu'on pose la conscience en essayant de la comprendre via la confiance en soi, mais il n'y a pas de confiance en soi, c'est la conscience de soi, ce qui est totalement différent. Et donc, vous tâtez, c'est froid et c'est humide. Et donc, vous sentez les parois, puis... vous êtes dans la frustration, l'énervement, parce que vous ne trouvez pas la sortie du puits dans lequel vous avez de la boue jusqu'au genou. Et puis, à un moment, vous abdiquez de la volonté. Et en abdiquant de la volonté, vous levez la tête vers un ciel que vous aviez oublié. Et là, en fin de compte, vous voyez une corde qui est suspendue à un mètre. Et cette corde est le fil de soie. Et donc, c'est la main du cœur, la main gauche, qui va saisir le fil de soie. Et vous tirez la main gauche, et puis vous mettez la main droite, et ainsi de suite, et vous vous extirpez petit à petit du puits. Parce que c'est simplement par le fait de j'accueille que le fil de soie a pu être perçu. Et donc, vous remontez jusqu'au bord du puits. Et là, vous arrivez à sortir du puits. Et en fin de compte, la première chose qui vous interpelle, c'est que le puits est en plein désert. Et là, vous passez de la claustrophobie à l'agoraphobie. Et donc, vous sortez du puits, puis vous commencez à essayer de trouver une direction, mais c'est le mental qui cherche une direction. Alors que vous avez la possibilité, en conscience, de sentir par l'observation consciente, car ce n'est pas un choix et ce n'est pas une décision, le chemin ou la direction, plus exactement, que vous allez prendre parce que vous sentez que c'est juste pour l'être que vous êtes. L'autre possibilité est d'attendre la nuit et de voir la position des étoiles afin de vous donner les quatre points cardinaux vous permettant de vous, non pas de vous diriger vous-même, mais de sentir la direction juste, une fois de plus, pour l'être que vous êtes. Et c'est comme la voix de la peur et la voix du cœur, c'est la même chose, comme je vous ai raconté hier. Le puits et le désert, c'est soit vous vivez l'enfermement,
Soit vous vivez le 360 degrés et vous n'avez pas à avoir peur du 360 degrés. Car le 360 degrés, c'est le tout. Donc vous passez d'un cercle réduit, où la conscience n'existe pas, au cercle infini, qui permet d'accéder à tout. Mais tant que le mental a peur de l'espace infini, ou tant que le mental se met dans un état de claustrophobie, eh bien, c'est exactement la même chose. Parce qu'il est essentiel de sentir et d'observer, c'est-à-dire de sortir des croyances de l'agoraphobie ou de la claustrophobie, qui sont deux extrêmes duels. La conscience, comme je vous l'ai indiqué hier, est une omniscience qui vous permet de sentir ce qui est juste pour l'être que vous êtes. C'est-à-dire, arrêtez de penser par vous-même. Tant que vous pensez par vous-même, vous construisez des boucles temporelles fermées. Tant que vous êtes dans la perception consciente, tous les champs expérientiels sont possibles. Mais une fois de plus, je me permets de vous rappeler que le champ expérientiel est un acte de croyance à la biorésonance, au fait que vous pensez que vous avez encore besoin d'expérimenter quelque chose parce que vous l'appelez. Et nous sommes des centraux téléphoniques internationaux. Ça signifie que vous pouvez connaître quelqu'un à New York et vous vivez à Paris ou peu importe où. Si vous appelez le champ de biorésonance, quelle que soit la distance, ça va être entendu par l'âme ou l'événement qui doit arriver vous, parce que c'est vous qui l'appelez, par croyance. Et donc, tous les champs de biorésonance sont fractales. La conscience n'est pas un champ de biorésonance. La conscience est une omniscience où il n'y a aucune définition, aucun appel, aucune volonté. Voilà l'histoire du puits. Donc aujourd'hui, il y a 16 chirurgiens qui viennent, Métatron, Shekina, le Christ, Marie, Raphaël, Uriel aussi. Très bien. Allongez-vous, inspirez profondément. Détendez-vous. Laissez-vous complètement aller, inspirez profondément, détendez-vous complètement. Vous n'avez rien à faire. Inspirez et expirez pour que le mental s'apaise. N'essayez pas de contrôler ce que vous sentez ou ce que vous vivez. Ils accompagnent chaque âme ici présent. Soyez en paix. Accueillez.